Bonjour, déjà Bonjour. merci de l'accueil. C'est vrai que ce matin, on est resté 2 h 30 à l'aéroport, plus les embouteillages. Oh, ça fait 5 h, donc on a très peu dormi. Mais bon, là, après, comme j'ai dit, c'est de bonne guerre. Ça fait partie du jeu. Voilà, donc il faut s'adapter. Après, bon, nous on a été au point sur l'aspect administratif. On va essayer de jouer contre une équipe de qualité, puisqu'on sait que le Congo est une belle équipe qui est allée chercher leur qualification au dernier moment sur un sprint final. Voilà, on est sorti aussi vainqueur de cette poule qui était difficile. Voilà, on est maintenant en place à une autre compétition qui est qualification à la Coupe du Monde qui va être encore plus difficile. Voilà, nous on vient ici pas en victime. On va essayer de jouer avec nos armes et de faire le maximum pour aller chercher un résultat. Comme tout le monde, quand vous faites une compétition, c'est pas pour être figurant, c'est pas pour arriver ici à distribuer des points à tout le monde, quoi. Donc nous on est des compétiteurs. Voilà, tout le monde croit à une qualification, comme le Congo, comme le Sénégal, comme le Togo, qui a participé aussi à une coupe du monde. Voilà, donc nous c'est important de faire de la bonne figuration par rapport à cette équipe-là. Vous savez aussi, vous avez des absents aussi, hein. Donc c'est partie du jeu. Personne n'est éternel. Donc c'est un collectif. Moi j'ai toujours prôné sur un collectif. Voilà, on va faire en sorte d'aller chercher un résultat. On sait que Camara est un joueur important, mais comme parmi tant d'autres joueurs qu'on a dans la sélection. Comme avec tous nos matchs, avec un état d'esprit conquérant, on connaît très bien cette équipe du Congo pour l'avoir affrontée dans nos phases de poule pour la dans nos phases de qualification pour la CAN, pardon. On sait que c'est une grosse équipe et voilà, on joue à l'extérieur et ça va être un gros match. Non, après nous on s'occupe que de ce qui est sportif. Voilà, il y a eu un match qui s'est passé à Lubumbashi et aujourd'hui c'est un stade différent et voilà, ce sera un match, un contexte différent. Et puis comme je l'ai dit, on est prêt pour ce combat et puis que le meilleur gagne, Inch'Allah. Ouais, on est préparé à cela, c'est un très très beau stade, faut le dire. Et on sait qu'il y aura beaucoup de monde qui seront derrière le peuple congolais. Et voilà, on s'attend à une grosse adversité, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et comme je vous ai dit, on est prêt pour jouer un match de football, parce que ça reste un match de football.